street. Just say, turn up. On fait pas mort dans Bendo. On travaille trop pour ça. La vie là pour me love. Les ni problème, maman. Kabou et Wombe, mais c'est cadant. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chezo, j'espère que vous allez tous très bien. Pour moi, comment ça super, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la AMP France pour une vidéo qui envoie la patate comme d'habitude. Alors aujourd'hui je t'ai concocté un gameplay qui va te faire lever la quéquette comme jamais. Alors pour ce qui est du gameplay poteau, c'est une nucléaire en MME en solo réalisé par Shege. Il était muni de sa petite KN44, voilà franchement gros G à vous. Je ne sais, la map, je l'écorche un peu son nom, elle s'appelle Knao, tout... Bon bref, on s'en bat les couilles, c'est la petite map chinoise du premier DLC de Black Ops. Et voilà, je pense que vous l'avez tous remarqué. N'hésitez pas à les féliciter dans l'espace des commentaires, ça lui fera super plaisir. Sa chaîne sera dans la description et pourquoi pas aller vous abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir aussi. Et bien voilà, ce sera tout pour sa part, poteau. Encore un gros GP de la part de la MP France. Et bienvenue, aujourd'hui je suis venu pour te parler d'une petite information très croustillante pour les fans de zombies. Alors, déjà je vais te mettre un petit screen du nouveau logo de Call of Duty, un finish. Le mode zombie, voilà, Infinity World. Ils ont déclaré, tu vois, ils ont mis un petit texte en français sous l'image, mais moi je vais te le traduire en français si tu ne sais pas comprendre l'anglais. Infinity World a révélé le logo officiel pour le Call of Duty mode zombie Infinity Warfare pendant le panel Comic Con. Et en dessous aussi, il y a une grosse information qui a été dit. Ils ont déclaré que plus d'informations sur le mode zombie à venir le mois prochain, mais aucun calendrier spécifique n'a été donné. Voilà. Poteau. Alors pour ceux qui ont compris un peu ces petites phrases, le mois prochain tu auras plus d'informations sur le mode zombie de Infinite Warfare. Pour les fans de zombies, vous pouvez être rassurés maintenant que ce ne sera pas dès de l'extinction pour faire une petite suite de l'extinction du Call of Duty Ghost. Voilà, ce ne sera pas de l'extinction, ce ne sera pas non plus de l'exo-zombie comme sur Advanced Warfare. Mais je pense que le zombie de Infinity War, tu vois, ils auront au moins un petit boost jump, voilà, ils pourront aller faire un double jump ou un petit truc comme ça. Je pense que les boss, ils seront ce sera robotisé, voilà, je ne sais pas encore, mais maintenant je vous donne que des petites informations très croustillantes, voilà, pour les fans de zombies, comme ça vous vous affolez pas trop, comme ça vous vous posez pas trop la question de savoir qu'est-ce sera le mode zombie d'Infinite Warfare. Voilà, vous pouvez être sûr que ce sera du mode zombie. Et bien voilà, ce sera tout pour ma part. Maintenant je t'invite à donner ton avis dans l'espace des commentaires, ça me ferait super plaisir de ce que t'en penses de ce petit leak, même pas, ce n'est pas un leak, de cette petite information que je t'ai révélée pour vous les fans de zombies. Si ça vous intéresse, si vous serez content, et dites-moi de ce que vous en pensez, comment ça pourrait être le mode zombie de Infinite Warfare. Voilà, ce sera tout pour ma part, la chaîne sera dans la description. Je t'invite à liker, partager, commenter cette vidéo et de t'abonner à la MP France si ce n'est pas fait. Et moi je te dis de faire un bisou sur tête en gauche et sur ton endroit de ta mère et de ta soeur. Et allez, pichelan, c'était chez eux. Jaloux.